Bienvenue dans Anthem pour de la destruction dans le contrôle le plus total avec le commando en GM3. Donc après la fameuse mise à jour 1.0.4 qui apparemment a fait beaucoup parler d'elle, je vais vous présenter mon nouveau commando. Avant de commencer, il faut bien en parler. Donc si vous êtes nouveau, je vous invite à regarder mes anciennes vidéos. La playlist sera dans la description. Je vous invite plus particulièrement à regarder celle du commando, évidemment, pour bien comprendre le build et le rôle du javelin. Et surtout, ses lacunes qui sont complètement corrigées dans cette nouvelle mise à jour. Petite note, cela va aussi vous aider à comprendre pourquoi j'utilise telle arme ou équipement, car pour éviter les répétitions, je vais passer outre certains détails du build, mais plutôt me concentrer sur les nouveautés. Deuxième note, il existe aussi d'autres vidéos que les builds, une par exemple qui explique les stats aléatoires que vous pouvez avoir sur les armes et équipements. Je prends quelques secondes pour expliquer ça, car je retrouve souvent les mêmes questions, comme par exemple pourquoi sur beaucoup de mes équipements, j'ai plus de charges que la normale. Bref, en résumé, regardez la playlist, merci. Donc revenons sur ce qui est des points noirs de l'ancien javelin. En premier, le commando est le seul qui peut littéralement soigner ses camarades et devenir un vrai javelin de soutien. Le problème, c'est qu'il faut faire des combos, mais les combos à la demande, ce n'est pas toujours aussi facile, car la plupart du temps, nous avons deux équipements, un qui va appliquer un debuff, et le deuxième qui va créer ce combo sur ce debuff. Je ne vous parle même pas des cooldowns qui vont littéralement limiter la fréquence de ces combos. Pour être honnête, j'avais un peu abandonné l'idée du soutien, mais maintenant elle est complètement résolue. Deuxième point noir sont les dégâts du javelin. Principalement, le commando est censé être un javelin avec des combos dévastateurs qui doit plus ou moins one-shot les ennemis. Mais au final, ça laissait un peu à désirer, et on utilisait le combo surtout pour augmenter notre ulti, pour essayer de le spammer le plus souvent possible. Donc au final, nous avons plus ou moins tous utilisé le même build qui consiste à augmenter l'explosion pour les dégâts de l'ulti et nous avions récupéré la vengeance divine. Maintenant, pour faire court, vous allez avoir beaucoup plus de choix. J'ai personnellement opté pour un commando qui peut debuff avec de l'acide, contrôler avec de la glace, créer des combos plus ou moins en continu car nous utilisons deux déclencheurs de combos au lieu d'un. Nous avons aussi deux différentes armes qui font plus ou moins mal. Nous pouvons récupérer notre ulti encore plus rapidement, et ça en créant des combos, mais maintenant même en tirant. Et pour finir, vu que les combos vont littéralement sortir toutes les secondes, vous allez pouvoir vraiment soigner votre équipe. Je dois avouer que la dernière note dépend énormément du groupe, et si les gens restent ensemble, mais par défaut vous allez pouvoir virtuellement soigner en continu. Donc je vous présente le nouveau commando. Nous avons 4 composants de commando et 2 universels. Avant toute chose, je vous invite à relire tous les composants dont vous disposez. Je vais donc commencer par lister les miens, puis l'équipement et pour finir les armes. Alors je peux vous assurer que ce build est bien plus puissant que l'ancien. Il garde les bases mais rajoute énormément de flexibilité tout en augmentant les dégâts sur n'importe quel type d'ennemi, que ce soit normal, élite, légendaire, boss, ennemi seul ou en pack. Bref, nous pouvons faire exactement ce que nous voulons. Alors commençons. Pour les composants, nous avons en premier la distinction de la dévastation, augmentation des dégâts du lanceur d'assaut de 30%, mais le plus important est effectuer une grande série de frappes réussites ajoute instantanément 3 à la recharge de la capacité d'ultime. Le nombre de frappes demandées est de 10, donc le plus facile serait d'avoir une arme avec une cadence de tir extrêmement élevée. Je vous laisse admirer. Le deuxième est la détermination du vainqueur. Les dégâts d'explosion sont augmentés de 50% et toucher quelques ennemis à la suite va restaurer 25% de votre armure. Le nombre d'ennemis qu'il faut toucher est de 2, il suffit simplement de tirer un peu dans le tas ou alors d'utiliser une grenade et vous allez vous soigner assez facilement. Ensuite nous avons le fer de la lance. Les dégâts de combo sont augmentés de 60% et réussir un combo va soigner vous et vos alliés de 40%. A noter que vous pouvez aussi remettre sur pied vos alliés si vous êtes à côté d'eux. Très utile pour ne pas perdre de temps à relever les gens manuellement. Maintenant passons aux choses fun. Vous avez l'agent élémentaire. Les dégâts de feu, la capacité thermique et la résistance au feu augmentent de 50%. Très très bon pour la vengeance divine. Si vous ne savez pas pourquoi, regardez la première vidéo. Mais surtout le fait de faire une série d'impacts de 5 coups va instantanément mettre le debuff d'acide sur la cible. Ceci est la clé
pour complètement changer notre build. Maintenant pour les composants universels. Nous utilisons toujours l'alimentation d'urgence qui va augmenter vos dégâts d'ulti de 30% et vous permettre d'avoir l'ulti chargé si vous subissez des dégâts critiques. Donc cela peut facilement vous sauver la vie et vous pouvez même le provoquer vous-même pour spammer votre ulti. Le deuxième composant universel est le gel concentré. Cela va augmenter les dégâts du fusil mitrailleur de 30%, mais surtout vous permettre de geler une cible si vous tirez deux fois consécutivement. Alors bien sûr, une note sur ce composant, il est complètement optionnel car pour créer des combos à tout va, vous avez déjà l'acide à votre disposition. Donc techniquement, vous n'en avez pas besoin. Par contre, le fait d'avoir le gel en plus de l'acide va vous permettre d'être extrêmement efficace dans le contrôle. Mais surtout, des choses un peu étranges vont arriver avec des équipements que je vais vous présenter plus tard. Dans tous les cas, je vous laisse admirer. Maintenant, pour ce qui est des équipements, vous avez toujours la grenade, le dernier argument, qui va simplement augmenter votre charge d'ulti en touchant des cibles. Je vous conseille de prendre une grenade avec des charges en plus, si possible. Et pour le deuxième équipement, nous allons passer à la vengeance récurrente. Le fait de déclencher un combo avec cette requête va instantanément vous conférer 100% de charge. Personnellement, je pense qu'avoir le plus de dégâts possible sur cette requête est beaucoup plus intéressant, car vous allez la récupérer de toute façon. Donc essayez d'avoir un bon 150 voire plus % de dégâts. Maintenant, une chose un peu étrange se produit si vous affectez une cible avec acide et glace en même temps. Si vous utilisez la requête vengeance récurrente, cela va déclencher bien sûr un combo, vous allez faire des dégâts en plus, et vous allez voir le mot combo affiché. La requête va revenir, mais si vous la retirez sur la même cible, il est possible que la requête continue à revenir jusqu'à ce que l'acide ou la glace prenne fin. Je ne sais pas s'il faut classifier ça de bug, mais je pense que faire deux debuffs sur la même cible avec notre arme fait croire au jeu que nous spammons les combos. Dans tous les cas, c'est plutôt fun, vous pouvez complètement tirer au moins une dizaine de fois votre requête sur la même cible. Maintenant pour ce qui est des armes, nous gardons toujours la vengeance divine en principal car cette arme reste extrêmement puissante, voire légèrement plus qu'avant, car vos composants lui ont un léger boost. Encore une fois, si vous ne savez pas pourquoi, je vous invite à voir l'ancienne vidéo. Maintenant notre deuxième arme, la plupart du temps je prends seulement une deuxième arme pour ses stats, mais cette fois-ci ça va changer. J'ai donc choisi un fusil mitrailleur, le Courage Retrouvé, qui est celui avec la meilleure cadence de tir de sa classe. Le bonus n'est pas vraiment intéressant, donc nous allons pas en parler. Par contre, je vous suggère d'avoir des stats aléatoires basées sur les dégâts bien entendu, ou alors des plus gros chargeurs ou plus de munitions embarquées. Le but de cette arme est de littéralement cracher des munitions par dizaines sur tout ce qui bouge. Vous allez infliger l'acide et ainsi que geler tout le monde sur votre passage. Maintenant parlons un peu du gameplay. J'avoue que mon gameplay a légèrement changé, encore une fois ça ne tient qu'à moi, mais avant j'étais beaucoup plus mobile, surtout pour éviter de mourir en GM3 par exemple. Mais cela rendait un peu difficile le soin pour les alliés. Du coup maintenant mon gameplay est beaucoup plus statique, en restant souvent au milieu des ennemis, un peu comme un colosse en spammant les combos. Le résultat est beaucoup plus impressionnant car vous allez pouvoir faire du contrôle avec votre glace sans perdre de votre puissance, et vu que vous avez deux équipements pour faire des combos, le fait de le spammer va littéralement soigner les colosses et intercepteurs autour de vous, et bien entendu vous-même. Votre ulti va aussi revenir deux fois plus vite, donc entre les soins et l'invincibilité de l'ulti, vous n'allez vraiment pas avoir de problème à survivre pendant les combats. Dans tous les cas, nous arrivons à la fin de notre build pour ce nouveau commando. Extrêmement fun à jouer, extrêmement safe pour vous et vos alliés autour de vous. A noter qu'il y a d'autres composants plutôt intéressants, je pense par exemple à celui qui augmente les dégâts de corps à corps de 200 et quelques pourcents, ou alors celui qui redonne du bouclier quand on tape. Mais dans tous les cas, si jamais je reviens sur le commando, je pense qu'on essaiera de sortir une sorte de gros dégâts mêlés vu qu'il récupère des choses assez intéressantes pour augmenter tout ce qui est mêlé. Mais sinon, ceci va mettre fin à notre vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Encore une fois, je vous invite à jeter un œil sur la playlist, c'est important. Vous avez aussi un Discord à votre disponibilité et ainsi que le lien de ma chaîne Twitch. Encore une fois, un grand merci à tout le monde et je vous souhaite une bonne chance et amusez-vous bien avec le commando. À la prochaine, salut, ciao.